Et coucou, très cher ami spirituel. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur la pleine lune en Vierge qui aura lieu le 18 mars à 08h18 précisément du matin. Alors avant de commencer le tirage, je voulais souhaiter une bonne fête à toutes les Saintes Mathilde, puisque aujourd'hui nous sommes la Sainte Mathilde. Donc, la Sainte Mathilde, Mathilde, si tu m'entends, je te souhaite une belle fête. Mathilde est une grande artiste qui travaille comme auteur de bande dessinée. Notamment, elle a publié des BD magnifiques chez Glénat, Basile et Velma, par exemple. Basile Velma, bon, j'en oublie plein, aux éditions Casterman aussi, aux éditions Gallimard. Je vous invite à découvrir l'œuvre et les travaux de Mathilde Domecq, qui est une très très grande artiste dévouée et qui s'occupe là en ce moment de faire des actions humanitaires, notamment pour le peuple ukrainien. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Voilà, vous pouvez retrouver son site sur Instagram pour voir ses travaux. Sur Instagram, vous pouvez retrouver les travaux de Mathilde, qui est vraiment un génie elle a trouvé son génie intérieur quand elle était petite dans l'illustration. Voilà, donc ça c'est pour la petite aparté. Moi j'aime bien soutenir les autres et parler des autres travaux, des autres chaînes, des autres personnes. Pour les abonnés, ben, je voulais faire des gros 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 bisous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous, on a passé à Marseille, il y a eu une tempête. J'ai un pan qui s'est envolé, arraché de mon balcon, mais rien de grave, tout va bien, je suis vivant. Et puis, j'espère que votre week-end a été bien plus sympathique que celui que nous avons vécu. Ensuite, pour les nouvelles personnes, bienvenue sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Cette chaîne Guidance, Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est une chaîne pour apprendre le tarot et les oracles, afin que vous deveniez autonome, afin que vous puissiez être vous-même, être propre, avoir votre propre regard sur les choses et agir en conséquence à l'écoute de vos intuitions. Je rappelle en introduction que les oracles et tarots n'ont jamais été faits et créé pour prédire l'avenir. À ce sujet, je mettrai en ligne juste après un tirage sentimental que j'ai fait à partir de l'oracle du Tao Te Ching pour vous présenter le livre du Tao Te Ching. Et je le mettrai peut-être demain pour pas qu'il y en ait trop d'un coup de vidéo. Et afin que vous puissiez découvrir aussi la méthode de tirage des oracles du Tao Te Ching, qui est une sagesse de plus millénaire et dont le but nous permet aussi de comment transmuter nos vies. Ça parle d'impermanence des choses et qu'on peut agir sur la matière pour transformer nos vies. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est sur, bien entendu. Donc si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je tiens à dire qu'il y a déjà des pubs sur ma chaîne, c'est pas moi qui mets les pubs. Voilà, et lorsque je pourrai le faire, je ne le ferai pas. Voilà, parce que j'ai décidé de ne pas rajouter des pubs. Voilà, parce qu'une pub, ça rapporte pas grand-chose finalement, ça rapporte à YouTube. Donc je remercie quand même le principe de pouvoir créer des chaînes vidéo. Mais bon, voilà, s'il y avait des pubs, c'est pas des pubs perso, je le redirai. Parce que voilà. Alors, on va attaquer le tirage pour cette nouvelle lune en Vierge. Alors, on a une pleine lune en Vierge que l'on peut appeler la lune des Vers. On peut l'appeler la lune des Vers, ouais, c'est fantastique, mais il y a peut-être une signification. En effet, les Vers se reproduisent de l'hiver, et arrivés au printemps, ils sortent. Et en fait, ils se reproduisent. Les vers, il faut savoir qu'il en faut parce que c'est eux qui mangent dans la terre pour faire en sorte que les racines des arbres puissent être maintenues. Donc, des vers jouent un rôle clé. S'il n'y a pas de vers, le sol terrestre ne pourrait pas se mouvoir. Voilà. Donc, merci aux vers. Les vers, c'est aussi des animaux de transformation. Ils passent de la mort à la vie. Bon, après, et puis. Il y a tout dans cette catégorie-là, il y a même des vers qui se transforment en chenilles puis en papillons.
Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils réapparaissent au printemps. C'est l'arrivée du printemps. Bientôt, on va fêter Ostara. Donc, tout est lié. Et on peut l'appeler aussi cette pleine lune, la pleine lune chaste. Alors, bon, pleine lune chaste. Et j'ai noté un autre truc que j'aurais même pu à me relire. Il y a d'autres noms. Il y a d'autres noms. Bon, voilà, vous pouvez regarder sur d'autres sites. Enfin. Alors, on est sur le, comment dire, on est sur le, je vais vérifier juste le deuxième nom parce que j'aime bien dire les noms au complet. Alors, 2 secondes, pleine lune des vers, pleine lune des vers. Ah voilà, des corbeaux. Je me disais, alors en plus c'est un de mes animaux totems. J'aime beaucoup les corbeaux qui sont des messagers. Donc, vous pouvez faire des méditations avec les corbeaux. Ce sont des messagers qui travaillent la nuit, donc messagers nocturnes. Ils peuvent faire passer des messages. Alors, attention, toujours faire passer des messages positifs et d'amour. Jamais faire de magie noire. La magie noire, c'est quand vous avez une intention négative pour faire souhaiter du mal aux autres. Et voilà. Donc, là, en fait, cette pleine lune, elle est sous le signe de la Vierge. Alors, la Vierge. C'est un signe de terre pragmatique. Moi, je suis ascendant, j'ai la lune en vierge. Je ne suis pas ascendant vierge, j'ai la lune en vierge. Donc, en termes d'émotion, voilà. La vierge, elle est abritée par Mercure. Elle est dotée d'une capacité de réflexion rationnelle, prudente, douée pour gérer et planifier des affaires difficiles. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les émotions intérieures seront limitées par le côté rationnel de la Vierge, à l'opposé justement du poisson. Parce que le poisson, il va avoir tendance à nous accompagner au changement. Je vous invite à voir la nouvelle lune en poisson, il y a une continuité. Je vous veux parler le changement, les glaces fondent, la glace des neiges fondent, l'eau s'écoule et les poissons circulent. Donc on rentre dans une période de changement. Là, du coup, on remet un peu plus avec la Vierge le côté rationnel pour avoir et développer des compétences de communication pour atténuer les émotions. Alors, il peut y avoir, vu qu'on est le 18, il y a l'idée de la carte de la Lune, on est sur une pleine Lune, les Vierges, il y a la Vierge folle, il y a la Vierge sage, vous le savez. La Vierge noire, la Vierge folle, enfin bref. Et donc, ça peut faire ressortir des angoisses, hein, voire même de la paranoïa, hein, de la pression. On peut se sentir sous pression par rapport au travail ici et là. Parce que je vous rappelle que les pleines lunes sont là pour mettre en lumière, en fait, après la nouvelle lune qui est le travail de mise en place d'action. Et là, on va mettre en lumière ceux qui ressortent de ce travail-là pour faire après un bilan et repartir sur un autre cycle. Et donc en fait, on va regarder. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc une opposition, un axe solaire entre le poisson et la vierge. Donc, la poisson, c'est le changement, c'est la lucidité, c'est la fluidité, c'est accepter la transformation et accepter les frustrations. La Vierge, c'est réflexion, c'est plus rationnel, c'est une énergie au service des autres. Donc, en fait, il y a un axe assez intéressant entre changement et dire changement et être pragmatique, terre à terre. Donc du changement, terre à terre, mais souple, donc le ferme et le souple à la fois. Voilà, donc on peut parler que donc les signes d'eau et de terre vont plutôt être fortement bien influencés, et peut-être que les signes de feu et d'air seront un peu plus impactés, auront un peu plus de mal par rapport au changement, par rapport à des décisions, par rapport à leurs émotions. Qu'est-ce que voilà? Donc ça, c'est pour l'introduction. J'avais envie de commencer le tirage avec une carte du tarot. J'ai dit à la nouvelle lune qu'il y avait des tours. Le message que j'ai mis de la nouvelle lune de 2 mars, donc du 2 mars au 18, il y a 16 jours. Et donc du 2 mars au 18, il y a 16 jours, c'est le chiffre 16, c'est le chiffre de la tour. Donc je me suis dit que peut-être à cette pleine lune, il y allait y avoir des tours qui allaient être
Les tours, ça peut être Lego, des accidents de Lego, des révélations aussi, mais ce sera pour reconstruire des nouvelles, une tour plus solide par derrière. Donc il y a des personnes qui vont avoir peut-être des révélations, des rêves. C'est une pleine lune qui va vachement impacter le sommeil. Donc prenez des plantes pour dormir. Donc peut-être hein, pendant le rêve, il y a des gens qui vont rêver de choses qui vont les troubler. Il va y avoir des révélations, des messages. Vous allez recevoir peut-être un message comme vous n'attendez plus, quelque chose de soudain. Et je voulais voir si la tour allait revenir juste avec le tarot pour voir ce que j'ai dit en fait est confirmé ou pas. Alors je vais voir, je mélange bien le jeu et on va voir si la tour revient. Non, on revient à la structure, donc le carré. Donc on va quand même sur une pleine lune dans la matière. Donc ça peut effectivement, le 4, on parle de matière, l'ampleur, je vais la mettre ici. L'ampleur, attention, il y a des passions, attention aux excès de passion quand même. La tour, elle se retrouve où dans le tirage? Elle se retrouve entre l'impératrice. Donc il y a peut-être une impératrice d'énergie masculine ou féminine qui va passer par une période d'introspection pour un nouveau départ parce qu'elle fait de la lumière sur une situation qui n'est pas forcément juste. Et on verra. On verra. Ah! Remarquez, je vais le refaire parce qu'il y avait une carte de trop. Donc ça influence le jeu. Et donc j'aime bien prendre de la chute. Parce que cette carte, je l'avais mise, mais je l'ai re-remplacée. C'est un vieux tarot. Il me manquait la lune, justement. Alors s'il y a la lune qui ressort, moi, je vais bien, voilà, je vais bien tirer les cartes avec le bon nombre. Et voilà, elle a sauté. Et on a le chariot. Donc, il est à l'envers, mais je vais la mettre à l'endroit. Donc, on a quand même l'idée d'avancer sur. Et donc, voilà. Il y a quand même un dos de tech, le pape. Donc, une union professionnelle ou pas. Et une tour. Et entre le pape et la papesse, il y a une tour. Donc, il y a peut-être un couple qui se regarde trop. Et ça, c'est pas bon, parce que je l'ai expliqué dans notre tirage que donc il y a une explosion dans un couple qui ont des valeurs qui sont sacrées, qui sont ci, qui sont là, mais comme ils s'entre-dévorent, il y a l'idée qu'il faudrait que ce couple fonctionne. Cette tour les amène à être plus comme ça. Vous voyez? Cette tour, il faudrait qu'elle soit comme. Les amène à redevenir comme ça. Parce que là, en fait, ici, là, on a une papesse qui est concentrée et qui travaille dans un silence, dans son coin. Donc, du coup, si la tour permet d'exploser, de remettre de l'ordre afin que le pape puisse agir. Donc, il prend le savoir de la papesse, il va de l'avant par rapport à un couple. Là, au moment où j'ai vu les cartes, par rapport à un couple, il y a cette idée que on se dans ce sens-là, c'est pas bon. On s'entre-dévore. Les pouvoirs, les compétences là, ne sont même pas mis à profit. Il faut changer d'ordre. Et on a quand même encore l'idée de l'empereur qui revient et de, on va dire, au-dessus du diable, c'est peut-être remettre. Et voilà, et c'est pareil. Il y a encore un couple. Il y a un autre couple. Il y a un autre couple. Vous voyez, avec la lune là. Ce couple-là, les passions, il n'y a plus de passion dans ce couple, parce qu'ils ne se regardent pas. Donc, on a un couple, je vais les mettre ici. On a un couple de ce type, et on a un couple de ce type. Et là, on a la lune, il va falloir aller de l'avant. Voilà. Donc, voilà comment on va commencer le tirage. Voilà. Donc, on a ce couple-là qui est sur le point d'exploser, parce que. Alors là, parce qu'ils se regardent dans ce sens, ils sont comme ça. Voilà, donc ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher dans ce sens. Je vais l'expliquer déjà. Je vais les poser comme ça. Je vais l'expliquer comme ça. Alors ça, c'est maintenant. Là, au moment où je fais le tirage. On va voir comment ça va évoluer. Je mettrai une carte sur ces deux couples pour mettre des solutions. Ça peut être un employeur. Et là. On a un couple qui ne se regarde pas, on a quelqu'un qui est tourné vers le passé. Il y a peut-être plus de passion dans ce couple, plus de désir, et une impératrice qui regarde ici. Elle se sent seule, parce que normalement, le couple devrait fonctionner comme ça. Donc, il y a de l'explosion dans l'air, et moi, je vous dis que c'est ça qui va se produire. Alors,
On va regarder maintenant les forces générales avec l'oracle de la Lune. Donc, qu'est-ce que nous invite à travailler? Quelles sont les forces de cette pleine Lune? Ouais, j'espère que vous allez bien. C'est début de semaine. Vous n'êtes pas trop fatigué pour ceux qui travaillent. Ils ont quand même dû se lever pour ceux qui ont les enfants. Moi, je récupère mon fils ce soir. J'ai le temps de faire quelques tirages ce matin. La force. Bon, on a quand même l'idée dans cette force, on en retrouve le pape. On retrouve une union. On retrouve le 2 et on retrouve le 3. Donc, on a l'idée, on vous dit, vous êtes en gratitude. Alors, en gratitude avec une personne. En gratitude. On voit une main, peut-être. Une main de femme qui donne la main à un homme plus âgé que lui. Hein? La main de l'homme semble plus âgée que celle de cette femme, puisqu'on voit que quand même il y a des et cette femme a les mains plus douces. Et il y a quelqu'un qui observe comme si c'était quelqu'un d'autre à l'extérieur de cette union qui observe une union. Hein? Donc c'est peut-être la déesse de la lune, mais c'est peut-être une personne tierce à ce couple. Donc, en attendant, il y a quelqu'un qui est en train de dire merci par rapport à la gratitude. Ou qui se rend compte, ou en tout cas, on vous invite à rentrer dans cette énergie d'union, de gratitude. Attendez 2 secondes. Hop, voilà, je vais couvrir. Et oui, parce que je bois mon café avec vous. Il n'est pas trop tard chez moi. Donc, on a donc de la gratitude. C'est une force. La gratitude, c'est dire merci pour même pour les petites choses dans la vie. Même lorsqu'il nous arrive quelque chose de négatif, on peut dire merci parce que des fois, on ne voudrait pas vivre la chose négative, mais on se rend compte des mois plus tard que cette situation était positive. On a l'idée aussi comme force, elle est là, d'avoir une sorte de protection. On protège. Là, 2 et 4, 6. Il y a une union protégée. Il y a peut-être des couples qui doivent protéger leurs enfants. Ça peut être ce couple. En général, ça peut être ce couple comme ça peut être ce couple. Donc là, on a l'impression qu'il y a de la séparation dans ces deux couples. Il y a de la séparation. Mais on verra. Protection. Là, de la protection. 2 et 4, 6. On souhaite protéger. La force est de protéger son enfant intérieur. Peut-être que là, il faut se séparer pour protéger son enfant intérieur. Et peut-être que là, il faut se séparer pour se protéger notre enfant intérieur. Donc, ouais, c'est peut-être ça qui est positif. Et alors, je vais prendre une troisième force, une troisième énergie. Alors, j'ai un rhume, excusez-moi, j'ai le rhume. Je ne sais pas, j'ai dû attraper froid. Voilà. Et on a enfin. Eh bien, on retrouve le 15, on a de l'action, de l'air. Vous voyez, cette femme, elle danse avec l'air, donc on a de l'action. Il va falloir, elle nous, cette pleine lune, avec le. C'est. Là, il y a écrit quoi? Et il y a un petit 6. Et il y a un petit 6 que vous voyez peut-être ici, juste là au-dessus de mon index, qui bouge. On dirait un petit ver d'ailleurs, mon petit doigt. Et donc, on a le 6. Il y a peut-être. Agir, on veut dire par rapport à un couple. Il y a de l'action par rapport à un couple. Alors, je vais mettre la petite bougie là pour monter. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Je vais tout faire avec l'oracle de la lune. Alors, ça va dire les forces. Donc, on nous demande d'agir dans une union qui apparaît à 2 et 4, 6. 2 et 4, 1 et 5, 6, c'est vraiment la carte des amoureux, les amoureux, et 2 et 3, donc aller de l'avant, prendre des décisions, agir pour aller de l'avant, en étant dans la protection, dans la bienveillance pour ceux qui ont des enfants. Alors, la petite bougie, elle prend de la place, je vais la mettre ici, bien que je la trouve très jolie, elle sera un peu cachée, c'est pas grave, et donc, oh, ça va nous faire un peu plus de place. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a à dépasser? Qu'est-ce que cette pleine lune en vierge
nous amène à dépasser. On doit dépasser, il y a des difficultés. Voilà. Il y a des difficultés, il y a des difficultés, il y a de la tension. Il y a quelqu'un sur cette carte, 3 et 4, 7, on retrouve le chariot, qui doit prendre des décisions. Il y a, je dirais qu'il y a de la chaleur, c'est lune chaude, il fait très chaud, c'est une lune qu'on a inédée. Donc ça veut dire les passions. Hein. Donc ça peut peut-être concerner ce couple-là, où il faut remettre de la passion, où il y a trop de passion, trop d'excès, en tout cas, trop de feu. Trop de feu. Alors là, il va falloir mettre un petit peu d'eau, hein, pour ne pas se brûler. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dépasser? Donc, on a des personnes qui ont des difficultés. Ce n'est pas trop de travail. Ça peut être alors, ça peut être une union professionnelle aussi. Ça peut être une union professionnelle ici. Ça concerne quand même. Je les ai prises parce qu'elles étaient dans cet ordre, dans le dos de deck. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, ça va faire remonter des angoisses, remonter des. Remonter, 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 remonter. Mais avec l'eau du poisson. On peut retrouver un équilibre, le feu, on en a dans le plexus solaire. Donc ça peut être, soit il y a une baisse de libido, baisse d'énergie dans un boulot, baisse d'intérêt dans un travail, et pareil dans les couples. Alors, on a à dépasser aussi le chemin. On cherche son chemin, on est perdu son chemin. Peut-être ce couple s'est perdu en cours de route parce qu'il a des enfants. Peut-être que ces personnes se sont perdues en cours de route puisqu'ils sont trop fusionnels. Il faudrait que chacun puisse, et donc ça explose pour remettre de l'ordre dans la bonne relation de couple. Ce sont quand même des gens qui sont spirituels, mais peut-être qu'ils s'entre-dévorent. Et donc, il y a peut-être même des enfants qui sont à l'intérieur de cette maison et ils s'en vont de la maison parce qu'il y a trop de, il y a trop de règles spirituelles, c'est trop, c'est trop. Donc, peut-être que ce pape devait se tourner vers l'extérieur et éduquer d'autres personnes en allant vers l'extérieur. Cette femme travaillait plus sur des notions, continuer à œuvrer, continuer à étoffer son savoir, pour que ce savoir serve mieux le pape et laisser un peu vivre ses enfants. Il y a peut-être des enfants qui quittent la maison là. Donc on vous dit, il faut protéger cela, il faut se remettre en question. Allez, une dernière truc à dépasser, les peurs. Il faut les peurs. Donc, il y a des peurs. On a peur dans cette histoire. Il faut agir sur ses peurs. Il faut agir sur son enfant intérieur. Donc, sur son passé, sur sa représentation familiale, sur ses origines. On invite à sortir à faire preuve de force, on va dire avec le chiffre 11 qui renvoie à la force, pour s'émanciper des schémas de pensée des autres, des peurs qu'on nous a transmises, et de retrouver, se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, il y a l'idée de protéger des enfants, là. Mais c'est aussi se protéger soi-même et d'affronter ses propres peurs pour aller de l'avant. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal à voir de signes qui vont être dans l'angoisse. Dans des situations compliquées, dans des situations conflictuelles. Donc il faut mettre, on vous invite à mettre de l'eau, de la douceur et d'accepter le changement, de suivre le courant sans vous dire que c'est grave. S'il doit y avoir des séparations, mais il faut se séparer et on fait en sorte que ça se passe bien pour les enfants. Et peut-être, comme je le dis souvent, il est nécessaire dans la vie d'avoir des courtes séparations, que ce soit avec un employeur ou avec une personne, voire même avec des amis. C'est-à-dire, ça peut être des amis très proches, là, qui s'éloignent. Et du coup, bah, ça fait peur parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre ces moments-là. Alors, on va regarder comment évolue. Je vais prendre ces trois cartes. Voilà, on va le faire différemment aujourd'hui. Comment va évoluer cette situation de couple?
à partir du moment où on verra la vidéo, parce que les énergies courent généralement un peu avant et un peu après. Donc on a quand même un couple sacré, il y a des personnes qui sont spirituelles, voilà, qui représentent la maison de Dieu. Donc là, on vous dit que bon, peut-être il faudrait que ce couple soit dans ce sens. Et là, ils accompliraient leur mission de vie, serait complètement complémentaire. Dans ce sens, ce couple est complémentaire. Dans ce sens, comme il est venu dans le tarot, ils se replient un peu sur eux-mêmes. Et du coup, cette tour, elle est là, elle est bonne, elle est divine, justement, pour remettre les choses à plat. Alors, comment ça va évoluer? On va voir quelle est la situation actuelle de ce couple. Voilà. Bon. Il y a quand même l'idée, il y a une séparation à l'heure actuelle entre ce couple. Et on vous dit de se donner une nouvelle chance. Il y a l'idée dans l'air, on a envie de se donner une seconde chance. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va le faire comme ça. Ce pape, voilà, alors ce pape, ça peut être un homme, hein, ça peut être une femme d'énergie masculine qui est donc dans la mission et la communication, il fait de la médiation, il transmet des informations, il peut être professeur, il peut être thérapeute, il peut être enseignant, il peut être, vous voyez, c'est quelqu'un, il peut être, il fait des messages spirituels et compagnie. Qu'est-ce qu'il va faire ce pape par rapport à cette tour? Bon, généralement, la tour, on ne la voit pas venir. Pourquoi en fait il y a cette tour au-dessus de leur tête, de sa tête? Alors, elle ne veut pas venir. Elle, celle-là, elle a volé. Cet homme, il se dit, il vaut mieux que je prenne. Cet homme, il a compris, je pense que c'est lui, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il se dit, il est mieux que je prenne de la distance et du recul. Même si j'ai envie de donner, pour donner une seconde chance à mon couple, parce que c'est un couple sacré, il faut que je prenne de la distance et du recul. Voilà. Cet homme, il a peut-être aussi une famille. Et donc, il a à gérer des histoires de famille. Il a peut-être une famille en charge. Et donc, il se dit, je prends de la distance et de la hauteur. Cette tour, pourquoi elle est là, en fait? Pourquoi il y a cette tour? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette tour? En fait, cette tour nous dit que justement, elle est là parce qu'en fait, alors je la pose ici, il y a peut-être eu un repli dans le couple, on s'enferme, on ne sort pas, on voit pas, on n'a pas d'activité extérieure, on est enfermé dans le couple. C'est-à-dire, là, on vous dit, cette tour, elle est là simplement pour dire, sortez, allez voir des amis. Chacun de votre côté, pour remettre un peu d'air, justement, on parlait d'air tout à l'heure, j'ai la carte de l'air, pour remettre aussi un peu de passion, pour remettre un peu de désir, ben des fois, il faut sortir. Là, les amis, ça peut être la famille, les activités de loisirs, voilà, se mettre. Voilà. Donc, cet homme, lui, peut-être, fait le choix de se libérer de cela, parce que peut-être il a conscience justement qu'il doit faire ça pour donner une seconde chance à cette personne. Alors, attendez. Cette papesse, qu'est-ce qu'elle veut nous dire par rapport à cette tour? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a, cette papesse? La papesse, vous savez, c'est celle qui a des secrets aussi. Hein, elle a le secret, le savoir, la connaissance, hein, qu'elle transmet au pape. Elle a conçu la connaissance, elle le transmet au pape pour que le pape, justement, puisse la transmettre aux autres. Et c'est comme ça que ça marche. Et là, apparemment, peut-être qu'il y a dans l'idée d'accepter d'être à distance pour que ça fonctionne aussi. Hein. Alors, j'en prends une. Elle désire s'engager. Elle a envie d'un engagement, certainement avec son pape, et son pape lui a dit non. Parce que lui, il décide de se libérer parce qu'il se libère pas, parce qu'il n'aime pas la papesse, forcément. C'est pas qu'il ne l'aime pas, c'est qu'il a conscience que par rapport à cet engagement, donc peut-être pour fonder une famille, il faut de l'aération et qu'il faut remettre un ordre. Moi, j'ai l'impression. Et que lui, du coup, pour l'instant, il dit non. Il dit non parce qu'en fait, c'est trop.
C'est Shining, là on est dans Shining, dans le film Misery, vous comprenez, de Stephen King. Il y a l'infirmière qui s'occupe de l'écrivain et elle, à force de vouloir s'occuper de lui, elle lui coupe les mains, elle lui coupe les pieds. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais quand même, il est un peu horrible. Moi j'adore Stephen King, mais alors les histoires, elles sont quand même. Donc peut-être que lui, il a compris qu'il était avec une psychopathe. Non, non, je plaisante, c'est une papesse. C'est une pimpesse, elle veut de l'engagement et c'est tout à son honneur. Mais elle doit aussi sortir de sa zone de confort. Rester seule toute la journée, ne pas communiquer avec les autres, ne pas faire de pratiques sportives. Voilà, il faut qu'elle s'aère pour que ça marche. Alors comment ça évolue là, du coup? Comment ça évolue? On va mettre la carte sur les peurs. Alors, comment ça évolue? Je crois que je ne ferai pas de professionnel là, hein, parce que là, on est sur du. C'est sorti la notion de couple, ben, on va rester sur du sentimental. Après, vous pouvez interpréter, hein, ça peut être aussi pour un couple, hein, ça peut être pour une association professionnelle. Hein. Donc là, on pourrait dire. Voilà. On pourrait dire que professionnel, on a envie de se donner une seconde chance. Voilà, je vais faire comme ça aujourd'hui, une seconde chance. Cette personne, par rapport à son employeur, aujourd'hui préfère prendre de la retrait, de se mettre en retrait, parce qu'en fait, il a conscience que c'est en faire sa maison, cet employeur, il est enfermant. Et du coup, ben, il va voir d'autres, il ouvre le cadre à d'autres possibilités, bien que son employeur, on va dire, souhaiterait le garder. Allez? Et donc, comment ça évolue? Donc voilà, on va faire l'interprétation pour les deux. Il n'y aura pas de spécial. Voilà. Et donc ça peut créer de l'angoisse. Il faut trouver un accord entre le changement et la stabilité. Le yin et le yang. Il y a l'idée dans l'air d'une réconciliation à venir dans ce couple. Voilà. Donc, dans ce couple, il y a l'idée en retrouvant de la séduction. Donc c'est une très bonne chose. En prenant l'air, en sortant du cadre, alors peut-être cette personne, qui peut être une femme, bien entendu, a compris qu'en changeant de boulot ou en mettant un peu de distance à son travail, elle va pouvoir s'ouvrir le cadre et favoriser une réconciliation et un engagement. Elle va pouvoir rebattre les cartes. Rebattre les cartes. Et donc, on va finir avec deux autres cartes. Il y a de l'alchimie, que ce soit dans le travail ou avec cette papesse, c'est forcément un pape, il adore sa papesse. Il aime sa papesse. C'est elle qui lui apprend tout. Elle lui permet de s'élever, la papesse. Comprenez? Parce que la papesse, elle a un savoir, c'est elle qui a le savoir. Et c'est lui qui le transfère. Donc il y a de l'alchimie entre les deux. Et au travail aussi, certainement. Et donc on va prendre une dernière carte. Et on vous dit qu'il faut continuer justement à se connaître. Voilà, parce que ça vaut le coup. Donc il va y avoir une réconciliation, un nouvel amour à l'intérieur de ce couple, et possibilité, comme c'est un couple sacré, d'avoir la possibilité de redéfinir les choses afin de rebattre les cartes et de mieux se faire comprendre, de mieux connaître. Voilà, ça c'est des discussions avec, vous pouvez vous faire aider, des médiateurs, médiatrices et compagnie qui sont là aussi. Et en fait, on voit quand même qu'il y a un nouvel amour. Mais c'est merveilleux. Alors, pour ce couple-là, pour ce type de couple-là, pareil, où on a, donc je vais la poser ici, là. Ah, ben, pas de hasard, free yourself, ben, lui il est déjà en train de regarder dans le passé, il est dans le passé, là il y a de la passion quoi qu'il en soit, hein. Il y a de la passion, hein. Donc je recouvre les cartes, mais ça concerne, et il y a eu cette papesse, elle a le sentiment d'être seule aussi, puisque le pape décide, lui fait comprendre que c'est mieux de voir les choses autrement, d'ouvrir le cadre, et d'ouvrir le cadre pour rebattre les cartes. Oui. Voilà. Donc là, on a aussi quelqu'un
dans l'emploi, qui regarde le passé, qui fait le bilan de son passé et donc qui s'éloigne de son employeur, il y a eu peut-être trop de dépendance affective, trop de feu qui a fait que il n'y a plus le feu. Peut-être que cet homme est fatigué et donc délaisse son employeur. Ok? Donc ce couple, il fonctionne encore une fois quand il se regarde comme ça. Par contre, on a quand même cette impératrice, elle veut de l'engagement, pareil, elle veut reconstruire des choses avec cet homme ou son personnel ou son employeur. Vous avez compris le sens des messages. Alors, j'ai envie là, pour pas réutiliser, on avait le nouvel amour, il faut se donner, il y a du nouvel amour dans l'air pour ces personnes, et on va recouvrir les gardes. Donc, par rapport aux difficultés que traversent ces couples et cette situation professionnelle, on a l'idée de se donner une seconde chance quand même, hein, parce qu'il y a l'idée de se réconcilier, trouver un accord, un compromis, en apprenant le temps de se connaître. Voilà, donc je me dis, les séparations peuvent être temporaires. Après, ça crée de l'angoisse. Après, bien sûr, il y a des émotions, il faut guérir. Il faut remercier tout ça, en fait, parce que c'est positif. C'est ça qui fait avancer les choses. Donc, on a, par rapport à cette Give Your Change, qu'est-ce qu'on peut compléter? On vous demande de faire preuve de sagesse, d'ouvrir les yeux. D'accord? Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, faire preuve de sagesse par rapport à ces difficultés. Elles viennent bien de quelque part. Peut-être qu'on a mis en place un mauvais fonctionnement. Ça peut être frustrant. Peut-être qu'il y avait un fort désir d'engagement d'une personne, mais l'autre n'était pas prête. Elle se détache. Mais il y a quand même l'alchimie au centre du jeu. Il y a l'alchimie. Il y a l'envie de se réconcilier et il y a l'envie de se connaître. Donc pour cela, il faut prendre le temps, pas de précipitation. Donc on a quand même un homme ou une femme qui incarne le carré, qui incarne la spiritualité. Hein? Ce sont des énergies très positives. Donc tous les deux ont envie de se libérer, lui peut-être de son passé, ou elle, hein? Ça peut être une femme hein, aussi. Hein? Vous interchangez. Hein? En fonction de votre genre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a eu sentiment d'isolement. Donc, le pape se libère dans la matière parce que ça l'enferme, ça l'emprisonne. Il n'arrive pas à avancer. Il n'arrive pas à avancer. Et l'empereur, il n'arrive pas à avancer parce qu'il est bloqué sur son passé. Il a des choses à régler de son passé. Et ça peut être une femme. Alors, par rapport au diable à la tour et donc par rapport au diable à la tour et de se laisser aider, de mettre de l'air et d'aller voir un peu là, les conseils des thérapeutes, des assistantes sociales, vous savez, des trucs familiaux là. Donc pour calmer un peu les braises parce qu'il y a eu de la tension et la tension, il y en a eu aussi entre le pape et la papesse. Et donc dans le travail aussi, il y a eu trop de, on s'est brûlé là, on se brûle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut compléter le tirage? Comment? Il faut faire preuve de sagesse. On doit apprendre quelque chose. Alors, elle regarde la lune. Peut-être à cette lune, on va avoir des révélations. On va voir les choses autrement. Parce que peut-être que là, on est dans l'illusion, on est la tête sous l'eau et on n'arrive pas à comprendre. Alors que l'énergie de la lune, c'est la créativité, c'est la papesse, c'est l'impératrice, c'est la maternité. Donc, il y a l'idée qu'une personne doit apprendre, restimuler sa créativité. Donc, il y a l'idée d'apprendre quelque chose. On va apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce que... Alors, cette papesse et cette impératrice, il y a trop de cartes là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont se passer? L'impératrice, alors c'est pareil, on a quand même, 3 et 2, 5, donc l'idée de vouloir s'unir, hein, ces personnes-là veulent s'unir. Elles ont de la connaissance, elles ont de la créativité.
Sauf qu'elles sont confrontées à des gens, 4 et 5, 9, c'est de l'isolement. Ces gens-là ont besoin d'un moment d'introspection. D'introspection. Introspection, encore. Mais elles sont tournées vers l'avenir. Et à l'avenir, elle voit le new love. Il y a peut-être elle observe la carte du new love. Alors, parce qu'elle se dit, si à un moment donné, les gens restent dans leur déprime, leur passé, leur conflit, leur ci, leur isolement, il y a un nouvel amour, forcément, qui arrive aussi. Eh oui, parce que elles s'incarnent, que ce soit homme ou femme, 3 et 2, 5, il y a une incarnation quand même de quelque chose. Et elles veulent de l'engagement. Elles ne veulent pas une relation et elles veulent un engagement équitable, même dans un travail. Parce qu'elles sont à la fois spirituelles et créatives. Donc elles veulent mettre en avant leurs compétences et donc elles peuvent très bien aller vers un nouvel employeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a eu des peurs. On s'est peut-être séparé par tout ça a fait peur. Et donc, il y a quand même l'idée d'une réconciliation, parce que bien entendu, il y a de l'amour. Que ce soit dans le domaine d'en avant, ces gens-là ne travaillent pas dans n'importe quel domaine. Ce sont des domaines qui leur plaisent. Ils sont quand même majeurs. Alors, la réconciliation. Qu'est-ce qu'on peut parler? Alors, on peut se réconcilier par rapport à ses peurs. C'est-à-dire, on fait la lumière sur ses peurs. Donc là, hop. Et oui, on fait la lumière sur ses peurs et sur son héritage, sur son passé, de là où on vient, de sa famille, de sa communauté. Il y a peut-être des gens qui ouvrent les yeux que leurs peurs viennent de leur passé terrestre, mais aussi passé céleste, plus lointain. Donc là, on invite les gens à se réconcilier à eux-mêmes, à faire preuve de sagesse, de méditation, pourquoi pas pour travailler sur cela, pour se libérer de ses peurs, d'aller les affronter avec l'épée de lumière de Michael pour trancher définitivement cela. Sur l'alchimie, parce qu'il y a de l'alchimie, que ce soit au travail, on aime son travail, que ce soit dans ses couples, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour, c'est sûr. Alors ce nouvel amour, bien entendu, il peut être lorsqu'on a rebattu un peu les cartes à l'intérieur de ces couples. Hein. Alors, on peut peut-être prendre les forces des uns des autres et remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Alors là, la volée, il y a l'idée de vouloir faire la paix. La paix, et il y avait la carte, donc il y a l'idée de faire la paix. Alors là, il y en avait plusieurs, je vais voir si elle revient, parce que j'ai vu plusieurs cartes. Alors, oh là là, il y a tout qui vole. Allez. Alors, c'est l'histoire d'un rééquilibrage. En fait, on est dans une période de rééquilibrage énergétique. Il y a eu trop d'excès dans le sens ou dans un autre, que ce soit dans le travail ou pas. Et donc, il faut rééquilibrer. Ce temps-là permet de rééquilibrer les choses. Alors, par rapport à l'alchimie, qu'est-ce qu'on peut préciser? Alors là, il y en a trop. J'en veux qu'une. Hop, excusez-moi, c'est mon rhume qui revient. Allez, ah, ça arrive par trois. Non, j'en veux qu'une. Ah, elle est là. Ah, il y a eu une trahison. Il y a eu un sentiment de trahison. Alors ça peut être... 2 secondes, je vais prendre un mouchoir pour me moucher. Voilà, parce que ce n'est pas très agréable tout cela. Alors, il y a une trahison autour d'un lien qui est sacré, qui est chimique, qui est alchimique. Et parce que, donc, soit, alors, on va faire l'analyse. Dans le premier couple, voilà, attention, et tout qui se casse la figure, ça serait bien dommage. Voilà, on y voit mieux, on y voit bien. Voilà, excusez-moi, il fallait que je me mouche. Là, en fait, on vous dit. Dans le premier couple, là,
sacré. Peut-être qu'on s'est trahi soi-même. On s'est trahi soi-même, on s'est enfermé, sous prétexte de se dire qu'on est spirituel. On n'est pas spirituel parce que l'un et l'autre s'imposent des visions qui ne leur permettent pas de s'élever. Donc, on se trahit et on trahit le lien qui est beau, qui était de l'alchimie. Dans le couple, dans l'autre couple, empereur, hein, il y a peut-être une infidélité. Il y a peut-être une infidélité dans ce couple qui fait que ben, l'autre il part là, l'autre elle part là. Voilà, ça peut être ça aussi, du côté d'infidélité. Mais il y avait quand même la carte, et pourtant c'est un couple qui est très très lié. Dans le cadre du travail, peut-être qu'en fait on prend ses distances et du recul parce qu'on s'est un peu brûlé les ailes, on a trop mis du jus. Dans une association, alors ça peut être une association humanitaire, là, sociale, avec le pape et la papesse dans le social. Dans la matière aussi, c'est tout ce qui est métier bah, de responsabilité, où on gère des. Alors ça peut être mélangé, on peut être responsable de choses, d'activités sociales ou compagnie, et on s'est brûlé. On s'est brûlé. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de faire le bilan pour savoir qu'est-ce qu'il refait, est-ce qu'il revient ici ou est-ce qu'il revient pas. Là, il y a l'idée dans l'hérédité d'avoir fonctionné comme ça à travers nos propres héritages familiaux. Ce qui n'a pas fait exprès, c'est que voilà, ça a conduit à une trahison. Et la trahison entre le pape et la papesse, c'est la trahison, comme je vous le dis, d'avoir cru qu'en étant hyper spirituel, eh ben, finalement, on n'est pas, puisqu'il peut y avoir de la jalousie, compagnie, des frustrations et compagnie. Bon, pourtant, on a quand même en dos de deck la carte de la beauté, du soin, donc à l'idée de se prendre soin de ça, avec sa famille. Et on a quand même l'idée qu'il y a des gens autour qui sont contre cette union. Il y a des obstacles, des ennemis. Alors, ça peut être nos propres ennemis. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui a eu une infidélité, si là, qui voilà, bon, voilà, ça, hein. Mais on nous dit qu'il y a quand même des ennemis. Des gens autour qui ne sont pas, ça peut être la famille. La famille, ça peut être les amis, l'entourage. Puis ça peut être aussi la famille au travail. Il y a des gens qui critiquent cela, critiquent qui sont en train de balancer, qui sont en train de faire de la magie noire en souhaitant du mal aux autres. Parce que c'est ça la magie noire, souhaiter du mal aux autres. Alors, ça se termine comment cette histoire? Ah. Alors, Getting, on quand même tombé sur le fait de. Apprendre à se connaître. Donc, il faut peut-être prendre le temps de discuter, de rebattre les cartes, hein, de rebattre le jeu pour arriver où? À la 2. À la beauté. Donc, là, on vous dit, et il y a de la passion, et du plaisir, et de l'élévation en amitié, un nouveau départ. Donc, on vous dit de se donner une seconde chance, finalement. Give you a relationships. Donc, dans le cadre du travail, peut-être que ça peut être les métiers qui sont en lien avec le bien-être, la santé, les arts, voilà, tout ce qui va être autour de là. Donc, peut-être qu'il y a une décision à prendre pour retrouver un équilibre, s'associer à des personnes qui vont mettre en avant cela. Ça va être solide. On a le 40, c'est carré, c'est structuré. Ça vous passionne. Ça vous passionne. On prend du plaisir. Ça permet de s'élever. Je vais les mettre. La passion, le plaisir. Et on va écraser la pyramide. Et voilà. On vous invite à sortir avec des amis, prendre du recul, et cela va amener un nouveau départ après une période conflictuelle qui était stérile où on a perdu un peu d'énergie. Voilà. Et donc je vais la mettre ici, un nouveau départ. Donc, il y a l'idée quand même, est-ce que tout ça est protégé? Est-ce que ces couples sont protégés et vont trouver les solutions. Voilà. Alors, je ne la prends pas, ne me plaît pas. Alors, le couple pour le couple, empereur-impératrice. Une carte.
Pour l'instant, la séparation nous dit que dans ce couple, c'est infortune. Pour le couple, pape-papesse. Il va y avoir du changement dans ce couple. Des vérités. Du changement qui amène ouf. Il va y avoir des révélations. Donc le couple pape-papesse semble évolué de manière positive. Voilà. Et le couple empereur, là, je pense que c'est ceux qui ont des enfants, ils se séparent. C'est définitif. Il y a une personne qui est trop tournée vers son passé. C'est inconstant. Du coup, c'est inconstant. Donc là, on va dire que ce sont les cartes pour. Voilà. Et là, c'est les cartes pour là. Et enfin, le couple. Par rapport au travail, parce que j'ai l'impression là qu'on nous parle du travail. Ouh là là, ça vole. On va avoir des nouvelles. C'était destiné. Je vais prendre que les cartes. Je vais prendre que les cartes qui se sont retournées. Oui, je vais prendre les trois cartes. Il y a de l'amour là. Là, on va vous dire, vous allez avoir des nouvelles. C'était destiné et il y a de l'amour. Vous allez faire la paix avec quelqu'un. J'ai l'impression. Voilà. Donc c'était destiné. Alors là, on a la paix, l'amour. Je vais mettre comme ça les cartes. La paix, l'amour. Et puis, je vais prendre un message de l'oracle des anges. Alors, l'oracle des anges, pour compléter. Il est ouf, il est là. Le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, qui est un très très bel oracle. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un petit message des oracles. On nous dit le résultat sera positif. C'est-à-dire que le résultat est positif. Je vais le mettre comme ça. Je vais mettre ça un peu sur le côté. Résultat positif. En amour, on fait la paix. Alors, je veux dire quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que s'il y a un couple qui se sépare avec des enfants, ça arrive. Le résultat est positif parce que ce couple arrivera. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semble être réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. En effet, des fois on se sépare, on a des enfants, et en fait il s'avère que cette séparation est positive pour les enfants, pour les parents qui arrivent à garder l'amour, qui arrivent à garder la paix, et qui arrivent, et c'est un cadeau, ils se servent de cette situation pour avoir une nouvelle vie. Et on a le droit. Vu que j'étais là, parce que là, apparemment, ça ne va pas se réconcilier. Pour le couple, là, pape-papesse, qui prend un peu de distance aussi, il va y avoir un changement. Peut-être au niveau du 18, puisqu'il y a la carte du 18 qui est là, peut-être pendant la pleine lune, il va y avoir une illumination. Hein? Une illumination. Et en fait, il y a peut-être dans ce couple-là une prise de conscience de l'un. De l'autre, et en fait, qu'il y a bien de l'amour dans cette relation et qu'il y a quelqu'un qui va faire la paix. Et là, j'ai vu d'ailleurs, la carte des nouvelles. La carte des nouvelles, je l'ai posée où? Là, il va y avoir des nouvelles. Voilà, il va y avoir des nouvelles. Je vais la rajouter ici. Il va y avoir des nouvelles et ce sera positif. Donc, un couple qui se sépare, couple empereur, c'est positif aussi. Pour les enfants, ça sera parce qu'ils sont intelligents, ces personnes-là, ils sont stables, elles font pas faire n'importe quoi. Pour le couple papesse qui a eu besoin un peu de s'éloigner et compagnie pour remettre un peu de cadre, pour remettre un peu d'air ici et là, il va y avoir des nouvelles. Alors de qui, de quoi? Peut-être de la personne qui est partie, peut-être il y a une personne qui ne donne pas de nouvelles. Voilà, le résultat est positif. Et dans le cadre du travail, eh ben, le résultat, le changement doit s'opérer. On retrouve effectivement la beauté. Et je pense qu'il y a dans ce secteur-là, il vaut mieux se réorienter. Il vaut mieux se réorienter dans ce secteur-là. Voilà.
J'espère qu'on voit bien les cartes. Résultat positif. Je vous le souhaite à tous et à toutes. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas, vous avez vu que j'ai changé un peu la méthode du tirage. Je suis assez intuitif. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre écoute. À bientôt. Gros bisous et que le ciel vous protège.